Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ça toujours bon, c'est Samos Pita, et là, vous êtes sur la chaîne sur le Russe 225. Voilà, donc, si vous avez remarqué, vous voyez déjà à l'écran. Voilà, donc, c'est pour vous expliquer un peu, pour ceux qui m'ont écrit un message inbox, c'est-à-dire WhatsApp et tout ça, pour vous expliquer un peu comment est-ce qu'il faut faire pour postuler, et puis, pour que vous soyez au moins prêts, parce qu'il y a plusieurs éléments en ce qui concerne la bourse de l'Université Calabria. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer rapidement. Je vais faire juste un résumé. Sinon, sur la plateforme que vous voyez là, il y a plusieurs informations que vous pouvez avoir. Mais moi, je vais faire le résumé. Et si vous êtes intéressé aussi, vous pouvez déjà faire le résumé. Vous pouvez aussi aller vérifier avec tous ces éléments-là pour pouvoir mieux comprendre. Voilà, donc, comme je l'ai dit, nous, on vient postuler à la bourse de l'Université Calabria. Et ici, c'est pour, dans les normes, la bourse, c'est pour les masters. Maintenant, si vous vous faites la licence et que vous voulez forcément postuler à l'Université Calabria, vous pouvez postuler, mais vous ne serez pas compté dans la bourse de master, vous comprenez? Parce que voilà, c'est dédié au master. Voilà, le quota n'est pas dédié aux licences, mais au master. Donc, ça veut dire que pour pouvoir postuler ici, vous devez déjà avoir un diplôme de licence avant de pouvoir postuler et les relevés des notes. Donc, normalement, on vient directement ici sur registre. Attendez, je vais mettre en français. Je mets en français pour que au moins vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe. Voilà. Et en même temps, j'aimerais rappeler que pour pouvoir postuler à cette bourse-là, vous n'êtes pas obligé de traduire vos documents. Les documents qui sont acceptés ici, c'est allemand, français, anglais, il y a espagnol aussi et puis il y a italien. Voilà. Donc, si vos documents se trouvent déjà dans ces langues-là, c'est pas la peine de chercher à les traduire. Vous pouvez postuler directement. Maintenant, s'il se trouve que vous avez des documents en langue russe ou bien en arabe et tout ça, en ce moment, vous traduisez les documents là en anglais. Voilà, donc dans les normes, on devait venir directement ici pour pouvoir postuler, mais moi, je dois vous expliquer. Donc, je vous explique rapidement et puis on essaie de postuler ensemble. Donc, vous devez savoir que la date limite, c'est quoi? C'est le 10 avril. Ça veut dire que vous avez au moins, vous avez maximum un mois pour pouvoir postuler. Ok, donc ici, au lieu que sur comment postuler, moi, je viens juste en dessous pour vous montrer un peu. Ici, là, je vais vous expliquer rapidement. Donc, les étudiants internationaux intéressés par le programme de master de 3 ans. Et vous voyez, on dit les étudiants internationaux intéressés pour un programme de master de 3 ans et à un cycle de l'Université Calabria peuvent postuler à la phase d'admission réglementée. Donc, dans les normes, moi je clique ici et puis je vous montre un peu quelles sont les phases et puis quels sont les éléments que vous devez faire pour pouvoir postuler. Donc, je viens rapidement là. Il y a un document PDF que je vais utiliser pour pouvoir bien vous montrer les éléments. Ok. Donc, dans les normes, moi, je dois venir cliquer directement sur cette plateforme-là. Attendez, je mets en français. Ok. Dans les normes, je dois venir cliquer ici directement. Appel pour une admission anticipée. Appel pour une. Ok, donc je vais vous expliquer un peu rapidement. Je viens là, je viens sur, voilà, pièce jointe 1, je prends ça, voilà, et puis je pars ici. Donc directement, si je choisis une filière ici, ça va aller directement, mais je vais pas le faire. Voilà, sinon voici les filières que vous devez utiliser pour pouvoir postuler à cette bourse-là, pour avoir une admission déjà et essayer d'obtenir la bourse. Voilà, mais je ne vais pas faire par filière. Si je fais par filière, voilà, il y a d'autres qui vont me poser des questions encore. Donc, je vais faire dans l'ensemble pour que chacun trouve son compte. Voilà, donc, je viens là et je mets sur l'avis d'admission. Je mets sur l'avis d'admission ici. Comme ça, on va prendre toutes les informations et puis, voilà, vous allez pouvoir comprendre et essayer de postuler. Voilà, donc, dans un premier temps, vous allez d'abord vous enregistrer sur le site. Voilà,
Parce que l'élément qui est là est hyper, hyper important. Donc, j'aimerais vraiment vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Dans un premier temps, vous allez vous enregistrer sur le site. Et lorsque vous vous enregistrez sur le site, vous allez recevoir un message qui dit que vous êtes enregistré. Et après cela, vous allez recevoir aussi un message en ce qui concerne les torses. Vous voyez le torse qui est là. Ça, il y a plusieurs types de torses. Maintenant, en fonction de la filière que vous avez choisie, ils vont vous dire de passer le torse. Le torse, c'est comme un test. Voilà, un test d'entrée. Ça peut être un test d'entrée ou bien un test de langue. Voilà, et pour pouvoir faire le torse, vous allez prendre ce torse-là sur le site de CSIA. Je vais vous montrer tout à l'heure, mais je vais d'abord gérer ça. Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord faire l'enregistrement sur le lien qui est là. Et une fois que vous finissez de faire l'enregistrement, vous allez recevoir un lien et vous allez recevoir aussi un mail qui va vous dire d'aller faire votre torse. Voilà, donc le torse, si vous ne savez pas quel type de torse que vous allez faire, parce qu'il y a plusieurs types de torse, et je voulais rappeler encore que c'est pas parce que vous appliquez pour l'université de Calabria que vous allez faire le torse forcément dans l'université de Calabria. Non. S'il se trouve que vous n'arrivez pas à respecter les dates de l'université de Calabria, voici les dates de l'université de Calabria qui sont ici. Les dates de l'université de Calabria, ça va jusqu'au 31 mai. Vous voyez? Donc, s'il se trouve que vous n'avez pas eu ou bien vous n'avez pas trouvé de date pour l'université de Calabria pour faire le torse, vous pouvez choisir une autre date dans une autre école. Et lorsque vous choisissez dans une autre école et que vous faites la candidature ou bien vous faites le test torse dans une autre école, directement vous serez enregistré et vous serez redirigé sur votre plateforme de quoi de la bourse de Calabria. Donc il n'y a pas de problème à s'en faire à ce qui concerne le torse. Vous trouvez une date, vous passez le torse, c'est tout. Ils vont vous enregistrer, ils vont ajouter vos notes dans votre application pour pouvoir déjà être vu et pour pouvoir aussi être sélectionné pour la bourse de Calabria. Donc là, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. C'est assez important parce que pour ceux qui m'ont posé des questions. Donc, ici, je reviens là. Vous vous enregistrez. Voilà, sur cette application qui est là. Vous voyez un peu. Ici, moi, je viens par exemple là et que je choisis. Je prends un exemple. Je choisis l'informatique ici. Si je choisis l'informatique directement, voici les éléments d'informatique. Ici, ceux qui sont extra-UE et ceux qui ne sont pas des Européens, voilà, et qui ne résident pas en Italie. Voilà, et ceux-là sont des Européens, sont pas aussi Européens, mais résident en Italie. Donc ça, c'est différent. Vous êtes ici. Ok, donc lorsque vous allez faire le test, vous avez vu que pour pouvoir faire l'informatique, on appelle ça torso I. Vous voyez? Ça, c'est le torso I. Donc, lorsque vous allez vous enregistrer et que vous allez recevoir le message d'aller faire le test torse, directement, vous devez savoir ce que c'est et puis vous devez savoir aussi comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler à ce test-là. Donc, lorsque vous allez partir là-bas pour aller faire le test, vous allez voir que mathématiques, ça sera 20 questions, 50 minutes. Il y a aussi logique. Ça, c'est logique mathématique. Il y a science et puis il y a aussi compréhension verbale ou bien compréhension orale. Voilà. Et lorsque vous finissez, je le répète encore, lorsque vous finissez, ils vont vous enregistrer et ils vont ajouter vos notes sur la plateforme de quoi? De la bourse de Calabria. Donc, quel que soit là où vous allez faire le torse, vous devez savoir que vous serez forcément enregistré. Donc, c'est sans souci. Maintenant, si vous me posez la question à savoir comment est-ce qu'on fait le test torse, en ce moment-là, je viens sur Google ici. Je vous montre rapidement. Voilà, donc je prends ça. Vous voyez là, ça c'est le premier, c'est le torse qui est là. Et lorsque vous allez arriver là, je vais faire une vidéo dessus après pour vous montrer. Lorsque vous allez arriver là, et n'oubliez pas aussi, je vais aussi postuler à cette bourse là pour montrer aussi à ceux qui ne maîtrisent pas et puis voilà, qui veulent eux-mêmes essayer de postuler mais qui ne maîtrisent pas. Je vais aussi vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez au moins vous-même essayer de postuler. Pour l'instant, je vous montre et je vous indique un peu comment est-ce que ça se passe. Voilà, donc ici, voici le torse CCA qui est là.
Donc, vous cliquez sur le lien qui est là et vous y allez, vous choisissez le TOS. Si c'est l'informatique, c'est TOS I. Ne vous trompez pas. Si vous prenez TOS E, qui est économie, vous allez voir que quand ils vont vous enregistrer, vous ne serez plus éligible pour pouvoir postuler à la bourse. Voilà. Et je le répète encore, vous n'êtes pas obligé de choisir seulement que le TOS à l'Université Calabria. Si vous y allez et qu'il n'y a plus de place et qu'il n'y a plus de date, choisissez un autre TOS dans une autre université pour pouvoir essayer de participer. Voilà, donc je crois que le site met un peu de temps pour pouvoir sortir. Je crois que c'est à cause de notre VPN, mais c'est pas un problème. C'est le TOS qui est là. Lorsque vous allez cliquer, je voulais vous montrer un peu pour que vous puissiez au moins essayer de postuler à cela, pour que vous puissiez au moins voir l'interface. Donc, je vais essayer d'enlever le VPN pour voir si ça va passer. Ok, donc j'enlève mon VPN, voilà, ça passe. Donc, comme je disais, vous avez vu, ça c'est le TOS I. Ça c'est pour l'informatique, l'économie. Donc, ici je vais mettre en français aussi. Donc, je vais mettre en français pour que vous puissiez au moins vous retrouver facilement. Ok, donc n'oubliez pas, c'est très important. Si vous voulez voir le TOS, il faudra vraiment sélectionner d'abord la filière, et lorsque vous allez sélectionner la filière, ils vont vous dire c'est quel TOS que vous devez faire parce que vous ne devez pas vous tromper. Voilà, donc pour le TOS qui est là, nous c'est le TOS I. Donc le TOS I, on va d'abord faire l'inscription, on s'enregistre, voilà, on va s'enregistrer et après on va essayer de passer le TOS. Voilà, donc vous vous enregistrez. Ça, je vais vous montrer un peu dans peu de temps comment est-ce qu'il faut faire ça. Je vais faire une vidéo spécialement sur le TOS, voilà, pour vous montrer comment est-ce que vous devez faire lorsque vous recevez le message. Ok, donc je vais faire une vidéo tout à l'heure. Je vais fermer cette vidéo là et puis faire une vidéo tout à l'heure. Donc, si vous finissez de suivre cette vidéo là, essayez de voir en description. Vous pouvez voir une autre vidéo pour pouvoir déjà essayer d'avancer un peu. Ok, donc à tout à l'heure, les gars.